Et bonjour tout le monde. Bon bah on est dans la queue, hein. J'avais fait une petite intro, mais bon, 1 minute 30 d'attente. On recommence du début. On est à la game 5 du Conquête Infinie. D'habitude on fait toute la run ensemble. Mais là hier j'avais envie de jouer. Et je savais pas en quoi jouer, j'avais le ticket infini, je me suis dit allez. J'ai joué ce deck qui marche très bien. Sandman. C'est fort en ce moment parce qu'en fait il y a plein de decks combo qui sont en train de naître pour essayer d'embêter Arishem parce que bah, ils le prennent au point tout simplement. Et du coup, bah, nous on arrive avec Sandman et on fracasse notre adversaire. Voilà. On a affronté du monsieur négatif, on a affronté du surfeur, on a affronté ce genre de choses et ça s'est hyper bien passé. Alors après, moi je joue pas la même liste que ce que vous pouvez voir dans les tier list. Il y a quelques cartes que j'aime bien, notamment la majorité des gens jouent Ultron. Moi j'aime bien jouer Docteur Doom parce que ça me permet de jouer Iron Lad au passage. Et après, moi j'aime bien Maria Hill parce que les decks, en fait je les trouve un peu coincés. Il y en a qui jouent pas de T4. Les listes classiques, il me semble que Maria Hill c'est White Widow ou Spider-Ham. Et après, eh ben, Iron Lad c'est White Widow et Docteur Doom c'est Ultron. Mais j'aime pas trop parce que bah, quand on n'a pas de T1, déjà c'est chiant. Et puis ensuite, même si on a Jeff et White Widow au T2, derrière faut bricoler un T4, c'est-à-dire faut faire 3 plus 1 au T4. Donc pour que le deck il tourne bien, faut trouver ces deux T1, un au T1 et un au T4. Je trouve ça compliqué. Alors qu'on a une carte dans le jeu qui dit qu'elle fait T1 et T2. Alors évidemment, c'est pas idéal, on n'a pas le T2 qu'on veut à chaque fois. Mais ça permet de mettre des points, et du coup, au final, eh ben, ça nous permet de rentrer un T4 en enlevant un T2. Et le T4, en général, bon, bah, c'est Captain Marvel ou Iron Lad. Et moi, j'aime bien Iron Lad, parce que les T3, bah, Nocturne et Nova, c'est la fête. Jeff, très bonne copie. Claw, excellente copie. Sandman, tu dis à l'adversaire, tu vas prendre Sandman into Sandman, bon courage. Et les T6, c'est la fête! On a trouvé quelqu'un, on a mis le temps, que je tue. Tu joues pas à Richem, ça me fait hyper plaisir. Alors, hier soir, ça s'est bien passé. En général, quand la ligue ouvre, il y a un peu tout le monde qui joue. Et on va dire, c'est un peu plus simple. On lui a piqué son Azmat, tiens, peut-être sympa. Et c'est un peu plus simple de jouer. Là, le lendemain, à 9h du matin. Peut-être qu'on va tomber sur des gens un petit peu plus énervés. On va voir. On a Sandman. On a Nebula. Il n'a pas joué de T2. In tout cas, Sandra sur Kamar-Taj. Iron Lad, Sandman. On est un petit peu obligé, je trouve. Alors, que joues-tu? Il joue Azmat, en fait, on le sait. Magic. On a Nocturne. Quelque part dans le deck, on a Nocturne. Alors, Iron Lad. J'avais dit qu'on avait Nocturne. Bah, je vais la jouer pour pouvoir faire Sandman. Je vais la jouer pour pouvoir Sandman. Je vais la jouer pour pouvoir Sandman. Allez, c'est parti. On a déjà snappé. On va voir ce que notre adversaire y fait. On lui a piqué Azmat. Ok, Luke Cage. Bon, bah, on jouera pas Copycat cette game. Ça, je peux vous l'annoncer. Paf! Ok, il bourrine à fond sur Limbo. Ah, c'est un surfeur Azmat? Je ne sais pas. Ouh. Tac. Bon, il va pas pouvoir jouer là, du coup, on va juste faire ça, nous. On va juste faire ça. Alors, que fais-tu? Pépito. Pépito, tu joues Serra. Pépito, t'as rien compris. Non, Pépito, non. Pépito, faut qu'on discute. Bon, bah, t'as pris tes 4 cubes. Bah, non, tu peux pas. Tu peux pas, avec Nocturne sur la table, t'as vu Sandman lâcher Serra. Mais bon, ça a l'air d'être un Toxic Surfer. En dernière game de Infinie Conquête, ça me fait très plaisir de retourner la tête à Toxic Surfer. J'aime autant vous le dire. Nebula T1 à toutes les games, parce que tu connais. Tu connais la bénédiction de la game du matin. Bon, bah, il joue Surfeur. On a Nocturne, donc on peut casser Magic, pas de souci. On a Sandman, déjà j'ai presque envie de le resnapper. On va attendre de voir. Si on touche un tour 2, peut-être si on touche Iron Lad,
On va voir. On va voir, on va voir. Voir si c'était. Oh, petit Jeff. Ça commence à ressembler à quelque chose de sympathique. Ça commence à ressembler à quelque chose de sympathique. Lui, il joue pas. Peut-être y aller, hein. Peut-être falloir y aller. Oh oui, bon, faut y aller là. Faut y aller, faut y aller. Par contre, Nocturne, ça peut être chiant. Nocturne, ça peut être chiant. Parce que s'il joue sa Magic plus tard, il y aura 7 tours. Après, s'il y a 7 tours, moi je décale juste Sandman. Non, il va Magic à gauche. Pour casser Vormir. Allez, on l'a eu. On l'a eu. Tac, tac, tac. Bra, pouf, paf. Décalage sur l'aile. Passe en profondeur. Bien joué, Nocturne. Top cake. Cassandra Novouille. Où est-ce que tu vas aller te placer? Voilà, je vais déjà avoir un Nocturne qui vient contest. Bon, on va la mettre là. On va la mettre là. La cage de Luc. Très bien. Bonjour. Vous êtes la cage de Luc. On verra pour Iron Lad, parce qu'il nous reste quand même Doom dans le deck. On vient s'assurer ici, et après on avise. De toute façon, on peut bouger, vas-y, joue ta Serra, comme ça on peut le refaire. Hein. Vraiment, le pattern, si tu l'avais pas compris, je pense qu'on va pouvoir le faire 2-3 fois. Non mais comme ça on t'explique bien, et t'es bien sûr d'avoir bien compris. Alors, Nocturne, tu viens là. Il a 6. Nocturne, tu viens là. Ouais, Jeff, tu viens là aussi. Et puis on va faire ça par exemple. Ah. Voilà, il peut pas challenge en fait. Je m'embête, mais 11, il va pas venir les challenge. Oh, je peux faire ça en fait. Ah, c'est un risque avec le site qui change, mais. Faut avoir un peu confiance. Ok. Bam. Ah, les cartes peuvent pas jouer, être jouées ici, ta carte est annulée. Odin. Oh! Il remet l'imbo. Ah non, ça marche pas. Ben non, ça marche pas au T6. Mais monsieur, ah non mais t'as rien compris. Oh Pépito deux fois. Pépito deux fois. J'ai trouvé ça hyper smart, Odin. Et puis après, ne marche pas après le tour 5. Et ben Pépito, c'est compliqué pour ton petit cul. Bon bah voilà. Et ben ce sera une vidéo courte dans laquelle Sandman a fracassé Toxic Surfer. Oh, ça me fait plaisir. Ah vous savez, comme ça, si on me la demande dans le futur, je pourrais dire, bah quoi, quel est le problème? Toxic Surfer, voilà Toxic Surfer. Vous avez une vidéo, voilà, elle est belle, elle est jolie. Toxic Surfer. Bon, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné comme petit avatar qui brille? Star-Lord de la patrouille temporelle. Ça m'intéresse pas de ouf. Alors, petite Titania, allez chercher des trucs maintenant. Faire un peu plaisir. Attention, elle est pas mal. Elle est pas mal avec sa petite bombe. Allez. Et en plus, ça avance un album. On achète. Alors, celui-là maintenant. Là, il est un peu plus technique. Armor en chibi. Bon, ça valait vraiment le coup. Hein. Ça valait vraiment le coup. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Bon, on va prendre les crédits et les golds. Hein, si vous voulez que je vous dise. On prend les crédits et les golds. Et après, on réfléchit. Eh, il faut encore que j'en fasse plein. Hein. Peut-être voir que je continue à jouer. Hein. Chercher un ticket gold ou des trucs comme ça. Hein. Tac. Bon, bah voilà, hein, j'ai envie de dire. Oh, j'ai envie de dire. Voilà. Ah, j'ai trop de crédits. Bon, je vais pas vous tenir la cuisse à faire mes quêtes, à faire mes trucs. J'ai rien de sympa à ouvrir. Voilà. Ah si, s'il y en a que ça intéresse, je crois qu'on a une place dans l'Alliance. Faut que je me mette à faire mes bounty, moi, après je vais me faire engueuler. Mais on a une place dans l'Alliance. On est à 29. Donc si quelqu'un veut venir rejoindre l'Alliance, alors c'est la semaine où tout le monde est un peu foufou parce qu'il y a le premium variant, là, que tout le monde veut. Mais bon, on va voir. Bah voilà, en un jour, on a fait 8000. 8 x 7, 56, voilà, on vise les 100 crédits, c'est très bien, mais voilà, on est 30, 3 x 4, 12, faut que tout le monde fasse ses 4000, 4000 c'est beaucoup, mais écoutez, si vous êtes actif et que vous voulez nous rejoindre, regardez, eh, j'ai fait 132 cubes, je mène, ah non, je mène pas au cube, il y a un mec qui a fait 140, ok, bon bah les gens jouent beaucoup plus, voilà, les gens, c'est des grands fous. Voilà, et bah écoutez, vidéo courte du matin, c'est pas ma faute si les gens ils jouent des decks nuls et qu'en plus ils restent dans des games qui n'ont aucun sens. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain, on verra ce qu'on fait. Pour l'instant, Hulkling, ils ont fait les choses bien, il est sorti, il y a un bug qui fait qu'il peut se copier lui-même. C'est pas grave, tout va bien. Il y a sûrement le patch qui va être annoncé pour les activate. Il y a plein de trucs qui se passe. Des bisous tout le monde. Salut, salut. Moi, j'ai de la peinture à faire.